Eh bien, re, nous voilà encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est déjà le troisième morceau que je fais aujourd'hui, ça commence à me gonfler. Alors aujourd'hui, un petit test un peu spécial qui n'est pas une réplique. On va tester donc cet objet-là, qui est fumigène, enfin grenade fumigène Enola Gay. Donc des fumigènes qui ont une utilisation militaire pour les simulations, les entraînements et trucs comme ça, bon, qui sont maintenant vendus au public. Donc ces fumigènes, ce sont des trucs que vous pouvez trouver en différentes couleurs. Ce qui était pratique, c'est que la couleur qui est marquée là, c'est la couleur du fumigène. Sur certains, c'est pas forcément très bien indiqué. Donc il y a, j'ai pu voir du blanc, du rouge, du vert, du bleu, du jaune, du violet. Il y a un peu toutes les couleurs que vous pouvez imaginer. Donc c'est assez bien foutu. Je vous montre un petit peu plus en détail. Je rapproche juste pour vous montrer. Donc le capuchon en plastique, vous l'enlevez. Il y a juste à tirer la goupille. Et puis normalement, ça se déclenche. Normalement. Alors, au niveau du prix, selon les. Je me suis renseigné un peu. Selon les magasins ou les sites, vous pouvez les trouver juste minimum 1,50€ le fumigène, selon si vous commandez en grande quantité. Et en magasin, je les ai vus jusqu'à 8 ou 9€ pièce. Donc 9€ pour un truc qui part en fumée, c'est quand même un peu cher. Donc, je vous propose qu'on va arrêter la vidéo ici, hein, on n'a pas besoin d'en dire plus, hein. Allez, c'est parti. Non, je plaisante. On va le craquer quand même, le machin. C'est mieux. Arrête de faire le guignol de derrière. Et donc, on va voir à peu près combien de temps il dure, parce que je ne sais pas combien de temps il dure. Donc, on verra. Donc, j'enlève le capuchon. Je suis là, je suis toujours là. Ça pue un peu? Ça va. Donc, vous pouvez voir quand même que. Bon, là, ça continue à cramer un peu. On s'en fout. Vous pouvez voir quand même que ça chauffe bien. Ça crache quand même pendant un bon moment. Bon, là, en extérieur, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais en CQB, ça doit être un truc qui doit être assez terrible. Et comme vous avez pu le voir, en gros, je le tenais là comme ça. Depuis le bas jusque-là, ça ne chauffe absolument pas. Là, je le tiens, ça chauffe pas. Par contre, après, là, je peux pas le toucher, c'est vraiment brûlant. Donc, à faire attention, mais en le tenant vraiment à la base, ça ne chauffe pas. Donc, je sais pas pendant combien de temps il a cramé, bien 1 minute, je pense, largement. Et ça fait vraiment une fumée complètement épaisse et qui, le peu que j'ai reniflé, n'est pas trop toxique. Ça équivaut à peu près à de la fumée dégagée par un feu de bois, je pense. Donc c'est vraiment un produit sympa. Là, si à l'occasion on part en OP, s'il y a du CQB, je pense que je vais en racheter 2-3. Sachant que là, je les ai achetés à Lons. Je leur fais un peu de pub. Hein, j'avais dit que je ferais un peu de pub. Je les ai achetés à Lons-le-Saunier, à Antares Multimédia. Ils m'ont coûté 4,50€ et c'est le moins cher que j'ai pu trouver en magasin dans Lons. Donc 4,50€, c'est parfaitement acceptable pour ce genre d'article. Vous pouvez trouver moins cher sur internet, bien sûr, mais bon, si vous en avez un ou deux à commander, il vaut mieux aller en magasin, ça ira bien plus vite et vous en aurez pour moins cher. Donc voilà, fumigène Enola Gay.
rouge, hein, comme vous avez pu le voir, hein, à moins que vous soyez daltonien. Donc voilà, j'espère que vous aurez trouvé cette petite vidéo sympathique. Comme d'habitude, donc là c'était un accessoire, ça peut être sympa en EP, surtout en CQB. Donc j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo sympathique. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, un pouce bleu, un commentaire et un abonnement, ça fait plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut, recevez bien et à la prochaine.